Allez, on continue. Donc, on a vu hier, alors ça c'est très important, on a vu, on récapitule ce qu'on a dit, que la notion d'humilité est essentielle à l'étude de la Torah, pas simplement en termes de midot, de genre moral. Merci, merci. Merci, Thierry. Pas simplement en termes de midot, que c'est bien, que c'est moral, que c'est un rajout, etc. Mais que l'humilité, elle était constitutive de l'intelligence de la Torah. Ça, tu ne peux pas apprendre la Torah sans humilité, impossible. Et on avait expliqué pourquoi. Parce que la Torah, les autres sciences, c'est les sciences du monde ici présent. D'accord ? Or, les sciences du monde ici présent, au contraire, plus tu es orgueilleux, plus tu es intelligent en réalité. Parce que plus tu t'affirmes. Tu affirmes une volonté, une puissance, une... C'est le monde. Tu as le monde ici, le monde de toi, c'est le même monde. D'accord ? Donc tu vas comprendre les mathématiques, comprendre la physique, comprendre la biologie. C'est comprendre le monde. Si c'est comprendre le monde, l'ego fait partie du monde, tu comprends tout. Alors que la Torah, ça ne vient pas du monde. La Torah, c'est ce qui est avant le monde. Donc c'est une qualité intellectuelle, c'est une qualité conceptuelle. C'est une echout. Un date qui vient de Dieu. Donc il n'a aucun rapport, profondément, qui n'a aucun rapport avec l'Olamazé. Donc, et l'ego, c'est d'épouser. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'orgueil, c'est la façon animale première de sécuriser que tu existes. Comment tu fais? Tu prouves que tu existes, tu prouves que tu as peur de la mort. On a peur de la mort, on a peur de l'anéantissement, on a peur de la nullité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est égaux. Qu'on est égaux parce qu'on essaye d'imposer une façon d'être. Mais donc ça veut dire que c'est une façon d'être dans le monde, t'es collé au monde. Mais la Torah elle est hors monde, elle est au-delà du monde. Alors la seule façon d'acquérir la Torah, c'est par l'humilité. Et c'est quoi l'humilité, on a dit? C'est comment s'exprime l'humilité? C'est pas celui qui bimbi comme ça, c'est pas ça l'humilité. Il y a des gens qui sont comme ça, mais ils sont très orgueilleux. Il y a des gens qui sont flamboyants, ils sont très en avant en réalité. La vérité, l'humilité, c'est la capacité de comprendre que. De t'intéresser à ce qui n'est pas toi. C'est ça l'humilité. Tu t'intéresses à quelque chose qui n'a aucun rapport avec toi. Tu t'annules, parce que dès que tu es intéressé par l'autre, vous n'avez pas les orgueilleux comme ils sont, c'est affreux. Les orgueilleux, dès qu'ils ont un mec intéressant qui arrive, ils essaient de le descendre, de le banaliser. Ouais, d'accord, ouais, on connaît. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne veut pas être déstabilisé par l'autre. Il ne veut pas que quelque chose qui n'est pas lui rentre dans son système de référence. Ça l'explose, ça l'implose, ça le tue. Donc dès qu'il va voir quelque chose qui n'est pas lui, au début, il va être surpris quand même. S'il voit quelque chose d'intéressant qui n'est pas lui. Mais très vite, il va dire, ouais, je connais ça, ouais. Ça, c'est l'orgueil. On connaît la musique. L'orgueil, il va tout le temps rétrécir, réduire l'autre à quelque chose qu'il connaît déjà, pour ne pas être interpellé par l'altérité de l'autre. Le hanav, c'est pour ça que même chez les gens qui sont un peu comme ça, l'anava, c'est quoi? C'est la capacité de t'annuler devant l'autre. Tiens, ça c'est extraordinaire. Tu vois un autre, tu dis, voilà, ça me dépasse. Et donc, tu vas devenir intelligent, parce que tu vas intégrer une dimension qui t'était étrangère avant, et donc tu vas t'enrichir de cette dimension. Donc on voit que la Torah, elle est la compréhension, elle est complètement liée à la Hanava. Ça va ensemble? C'est clair? C'est ça qu'on a vu jusqu'à là. Mais dès que ça dépasse nous, dès que ça nous dépasse, ouais. Et qu'il faut être hanav dans ces moments-là. En réalité, tout te dépasse. N'importe quel trauma, il y a quelque chose en toi, ce que dit le Ramban, il guérit le Ramban. Même le pire, le plus bas des schnorreurs, même celui qui n'a rien, qui est idiot, il a une qualité que tu n'as pas. Il a c'est pour ça qu'il faut toujours voir l'homme, l'autre, la relation qu'on a avec l'autre, c'est une relation verticale, l'autre est plus haut. Il y a dans l'autre quelque chose que tu n'as pas, c'est tout. Ça ne veut pas dire que tu es un nul. Il y a dans chaque être quelque chose que toi tu n'as pas qui est supérieur à toi. Donc pour arriver à voir l'autre à travers la qualité qu'on n'a pas. D'accord ? Et comme ça, et donc par rapport à ça, ça t'ouvre un respect, une ouverture, un intérêt, et donc tu vas apprendre de lui. C'est ça le pshat, bien Chacham Alomed Mikol Adam. C'est ça le pshat. Qui est le savant, celui qui peut apprendre de tout homme. Parce que c'est ça la chokhma, la capacité de comprendre que chaque homme a une énigme, une singularité, une beauté, une poésie, une grandeur, une spiritualité qui n'a aucun rapport avec toi, qui est plus grande que toi, que tu peux apprendre de lui. Très important ça. Il n'y a pas de chokhma sans ça. Sans ça, on ne peut pas être tamid chacham. Impossible. Impossible. On continue. Ou bepein kanoder, nidarim, nanahe, ken.
Mandama, de Bidbar Matna, ou Bematan. Ok, il y a écrit que Bidbar est tout le temps au Minachalael ou Bemot. Kevin Shasa Adam est à Tzmoke Bidbar, Cheou Moufka à la colle Nitna l'Otora. Quand un homme se fait comme un désert où il est donné à tous, on lui donne la Torah. La question va plus loin que l'humilité. On nous dit que on est obligé, c'est très difficile ça, on parle ici d'un degré de Torah très haut. On va avoir le degré de Torah très haut quand tu as annulé. C'est très très difficile, c'est difficile même à comprendre pour nous. Quand tu as annulé une façon d'exister qui tourne autour de ta propre référence. Non, c'est plus toi qui t'intéresse. TFK, toi. Très dur. C'est TFK. Toi, tout le monde te peut. Tu t'en fous de toi. Alors, il y a des, pourquoi tu vas t'énerver si quelqu'un t'a insulté? Si tu t'énerves, c'est pas du tout par rapport à toi, le tzadik. Par rapport à Kabbalah Torah. Il dit la Torah, elle est. Un tzadik, on l'insulte, il s'en fiche. On lui dit, mais c'est pas Kabbalah. Arabe, tu dois réagir. Parce que c'est la Torah qui méprise. Ah, la Torah, bien sûr que non. Et là, il va dire, ça va pas être. Mais lui, en tant qu'ego, il n'existe plus. Ça, il ne s'intéresse pas lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est Dieu, Am Israël, la Torah, la vérité. Lui-même, comme lui-même, il sait même plus ce que c'est lui-même. Lui-même, c'est qui? Je ne connais pas. Je connais Maneshama. Maneshama, je connais. Maneshama, c'est l'épanchement de la parole de Dieu. Ça n'a aucun rapport avec mon ego. Mon ego, il a disparu. Et là, on reçoit la Torah. À ce moment-là, on reçoit la Torah. Parce qu'on est comme un désert. Vous voyez, c'est pour ça que la Torah est toujours donnée dans le désert. Elle est toujours donnée dans le désert. Parce que la notion, c'est une notion de dépouillement. La Torah, elle était devenue à Arsène, c'est la plus petite des vallées. La plus petite des montagnes, ouais. Tout à fait, encore une fois, c'est une idée d'humilité. On voit comment le Maharal, il insiste énormément sur cette idée d'humilité, parce qu'elle est essentielle au don de la Torah lui-même. D'accord ? Nalo Torah, be matna, shene ema, be midbar matna, ve kivan shene itna lo nachala, nachalo, el shene ema, be nimatan nechay, ve kivan shene nachalo, et donc c'est incroyable, paradoxal ça. Quelqu'un qui va être capable de renoncer à l'ego, c'est-à-dire renoncer à l'ego, c'est pas très difficile en réalité, parce que l'ego c'est pas très intéressant. Ça n'amène que des problèmes, l'ego. Quand on réfléchit deux minutes, l'ego n'amène que des problèmes. Parce qu'à la fin, t'es toujours offensé par un autre, et t'as toujours des jalousies, t'as toujours des. Quelle vie minable! Comment est-ce qu'on peut vivre toute sa vie à dire qu'est-ce que l'autre il va faire, moi pourquoi, et moi je vais réussir, et l'autre il va pas réussir. C'est une vie minable. Alors quoi, on dit pas, on fait pas, on est... Non, on vit, on voit les choses, comme c'est beau la Torah, comme c'est beau la mer. On peut faire les deux. Comme c'est beau l'intelligence, tu lis des livres, tu t'en fiches complètement ce que les gens pensent de toi, ce que les gens vont penser. Tu vas passer, tu as un bébé de 3 ans toute ta vie à prouver que l'intelligent, beau et fort. Et les gens, ils travaillent comme des fous, jour et nuit pour avoir de l'argent, pour prouver à leur mère qu'ils sont capables. Et leur mère, elle est morte depuis 20 ans. Mais ils continuent à vouloir prouver à leur mère que c'est des gens bien. Il faut bouger un peu. Ouais. Bien sûr. Pas s'énerver, on s'énerve jamais. T'as le droit de donner une claque. Boum. Moi j'ai mon rave. Moi j'ai un admirable de rave. Quelqu'un a insulté sa femme devant lui. Paf, il a donné une claque. Très gentil. Il a dit moi j'ai jamais donné une claque, mais dès qu'on touche à l'honneur de ma femme, une claque. Chevaleresque. Chevalier. J'ai beaucoup aimé. Parce qu'il était. C'était du genre, moi tu peux m'insulter tant que tu veux, mais ma femme, tu touches pas. Gentleman, ma femme, on rigole pas. C'est compréhensible. Parce que tu peux être mochet sur ton kavod, mais tu peux pas être mochet sur le kavod de quelqu'un qui t'est proche. T'as pas le droit d'être mochet sur le kavod, hein. Quelqu'un qui insulte ton père, quelqu'un qui insulte ta mère, quelqu'un. Tu dois être ce qu'on appelle macha. Tu vas dire, mais ça va pas, tu diras. Non, il faut pas s'énerver, il faut jamais tomber dans le piège. Dans le piège du réactif. Alors on a toujours dit, c'est quoi l'essence du moussa? C'est quoi l'essence du moussa? Si vous voulez être un tzadik, c'est quoi? Ne pas réagir. C'est ça l'essence du moussa. Être capable de ne pas réagir. Mais non, pas dans l'autre jour. Ne pas être réagir, je ne te parle pas d'être subir. Tu peux te protéger. Mais ne pas être réactif comme un animal. Un animal, tu l'agresses, il t'agresse. Quelqu'un qui t'insulte dans le volant, que tu lui réponds, est-ce que tu es toi-même? C'est ça, normal. Alors il ne faut pas réagir. C'est à quoi la réaction? Moi je raconte toujours ça à ma femme, même pas grave, elle dit que je fais du lachandara sur moi-même, mais c'est pas grave. Comme on fait un truc sur la Hanava, je vous raconte l'histoire. Une fois, moi j'avais donné un cours de, sur ça justement, un très long cours en expliquant les mécanismes de la réaction, qu'il ne faut pas réagir, que justement c'est ça l'animalité en nous, c'est qu'on est réactif, et que le tzadik qui met un espace entre lui et le monde, qui a un espace de bonheur, d'être avec Dieu, enfin, tout un cours extraordinaire, avec des sources super sur la non-réaction.
Pendant une heure, j'avais parlé de ce pour montrer comment elle est folle. Je prends la voiture, on m'avait prêté une voiture, je sors, tout d'un coup, la gars, il me fait une queue de poisson. Je commence à lui klaxonner, à lui crier. Et au moment, je dis, mais je viens de faire un coup pendant une heure. Donc on voit comment la force de la bite du corps, c'est le corps qui parle. Le corps, il est réactif. Il réagit, boum, il réagit. Donc le corps psychologique, il réagit aussi. Vous m'insultez, je vous insulte. Vous me haïssez, je vous haïs. Vous voulez me frapper, je vous frappe, etc. C'est le corps réactif. Simplement, ce corps réactif, il peut se sublimer, se projeter dans le psychisme, dans l'esprit, au point que l'esprit aussi devient un corps. Il épouse des mécanismes du corps, l'esprit. Comprenez? Mais un tzaddik qui est lié à l'âme, l'âme, elle n'est pas réactive, l'âme, elle maîtrise. La réaction, c'est matériel. Tout ce qui est matériel, vous donnez, la pâte à modeler, vous donnez, elle réagit. Elle est sensible parce qu'aux forces qui la frappent. Une âme, elle est active. Elle est prodigieusement active, elle vient de Dieu, elle est lumineuse. Jamais elle ne réagit. Elle l'interprète, elle a un espace. Et donc, c'est très important pour avoir un bonheur de vivre, pour vraiment grandir dans la Torah, de mettre un espace entre toi et les choses. Il ne faut pas être aussi collé trop aux choses. Il faut un espace. Un espace qui va te donner la sagesse. Tu ne peux pas être collé aux choses. Parce que sinon, tu vas être complètement passif. Encore une fois, tu n'as pas ta modeler. Quelqu'un insulte, ça te fait mal. Quelqu'un ne t'aime pas, ça te fait mal. T'as des problèmes de santé, aussi, c'est plus dur d'être. Ça te fait mal, t'as des problèmes d'argent, tout, t'es complètement. T'es passif par rapport à ce qui se déroule à l'extérieur de toi. Celui qui prend du recul, ça veut dire qu'il met un espace entre lui et les choses. Comment il peut prendre le recul? Qu'est-ce qu'il va mettre entre lui et les choses? La Torah, l'étude, la pensée, les idées, l'intérêt, de s'intéresser à ce que veut dire. Le monde, pas ma vie à moi simplement, le monde, et tous des soucis qui sont transcendants, qui font que ça va complètement relativiser le monde, l'immédiatité du monde. Et donc quand il t'arrive quelque chose, tu as la distance pour pouvoir ne pas réagir, vous comprenez? Mais quelqu'un qui ne pense pas, il ne peut pas ne pas réagir, c'est impossible. Parce qu'il est tout de suite collé à la réalité, donc il n'a rien d'autre, donc il ne peut pas ne pas réagir. Il ne peut pas ne pas être passé, oui. L'homme, il a la capacité de discerner le matériel du spirituel. Comment on voit ça? Dans Atachonantalou, c'est quoi? C'est de discerner le Shabbat du Chol, ouais. Et donc, il y a la bracha, c'est quoi? C'est Chonen Adarat. C'est ça, Atachonantalou, c'est entre Chonen Adarat, parce que ça nous permet de... D'accord, très bien. Je ne vois pas le rapport, mais c'est pas grave, c'est bien. Alors on y va. Alors on continue. Donc il dit. D'accord. ואם יגביע את עצמו הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמרו במת הגיעה ולא הוד, אלא ששוקפים אותו בקרקע. Et celui qui va s'enorgueillir, il y a un mécanisme aussi comme ça, qui est intéressant, comme ça on ne le voit pas forcément. Hein. Celui qui s'enorgueillit, Dieu le fera tomber. De sa Torah, vous voulez dire? Non, il devra tomber de sa Torah, de tout. Mais ça, j'ai une couchée, on voit plein de gens qui sont très orgueilleux qui ne tombent pas. Je crois que je ne suis pas sûr. Ouais, ça veut dire que l'Agma, elle dit même une phrase très grave, elle dit, pas seulement qu'il fait tomber, il va mordre la poussière, le carca, il va tomber sur le sol. Ok. Peut-être au niveau spirituel, mais peut-être pas que spirituel. Pas que spirituel. Pas que ça, même le matériel, des fois on voit des lumières. Je pense qu'un orgueilleux à la fin, il est rejeté par les gens eux-mêmes. Quand l'Agma elle dit, un orgueilleux il est tellement insupportable que même un gens de sa famille ne peut plus le supporter. Quand l'Agma elle dit, que même sa femme et ses enfants, ils ne peuvent pas supporter un orgueilleux. Tellement que c'est insupportable. Alors il explique, Pirouj Dvarzek, Moshe Yidbaev Ifnezé, qui est la Torah Shahira Rakalmi chez Enlo Gava. La définition qu'il donne de l'humilité, il dit que la Torah n'est donnée qu'à celui qui a de l'humilité. Et ce qu'il dit, un des effets de l'humilité, c'est que pour toi, tout est pareil. C'est quoi tout est pareil? C'est la hiérarchie. La hiérarchie du bien et du mal, du vrai et du faux, ne va plus être faite dans le monde. Dans le monde,
Il y a pas de... C'est pour ça que très souvent le Anav ici, il est pas, il connaît pas toutes les différences entre les vins, les meilleurs vins, les plus grands vins, les moins vins, les moins bons vins, les grands restaurants, les petits restaurants. Tout ça pour lui c'est pareil, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que la Anav a aussi un effet premier intellectuel, c'est d'annuler la hiérarchie, une fausse hiérarchie. On dit. Le monde aussi se pose comme une hiérarchie. Il y a une hiérarchie des valeurs dans la Torah. Mais le monde lui-même s'organise en tant qu'hiérarchie qui lui-même t'aliène. On peut s'intéresser à cette hiérarchie. Oui, mais ben, on va moi, dire... si j'ai envie de kiffer le vin, j'ai le droit d'être. Non, mais c'est même bien, mais il faut pour la mitzvah, que pour la mitzvah. Oui, les pour Shabbat, par exemple. Mm-hmm. J'ai le droit de m'intéresser à un vin superbe. Non, ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'on te dit, oui, c'est très bien. Ce qu'on te dit, c'est que la matérialité, le monde, le shaker, il va organiser une hiérarchie. Et cette hiérarchie elle-même, ça va être en aliénation. Tu vas te faire croire qu'une Porsche, c'est vachement mieux qu'une deux chevaux. Non. Bah si. Pour la nappe, c'est complètement faux. Bon, mais ça sert à rien. C'est-à-dire que il va tellement te faire croire ça que maintenant tu vas travailler comme un fou pour arriver à la Porsche. C'est ce qu'il a dit. Et donc tu vas étudier, on peut acheter une Porsche. Ouais. Et donc tu vas, il va te faire croire que la Porsche c'est formidable. Bah, ça va plus vite, c'est confortable. Tu te rends compte que c'est pas ça important. Si tu cherchais, si tu cherchais à aller plus vite, tu prendrais. Tu vas pas payer 1 million d'euros pour aller plus vite. Il a dit c'est pour aller étudier. Par rapport à la Porsche à deux jours, mais maintenant c'est vrai que par rapport. Je crois qu'on est limité à 50 km à l'heure. En plus, t'es limité en ville à 50, à quoi ça te sert? Mais tout le monde comprend. Que tout le monde comprend qu'on va on va avoir le désir d'une chose qui en soi n'a aucune valeur. On va désirer des choses qui en soi n'ont aucune valeur. Et pourquoi on va le désirer? C'est que parce que la société a joué avec ton orgueil en te faisant croire que si tu avais ce joujou, tu serais mieux. Et donc on va faire perdre ta vie. Très simple. Tu vas travailler des heures pour procurer l'argent, pour t'acheter cet objet qui n'a aucune valeur en soi, pour faire croire que tu as le joujou qui montre que tu vaux quelque chose. Ah, mais on a le droit ou pas d'acheter? Non, c'est nul, faut pas acheter, faut de l'argent à ce Dakar. Et si on a le... Quelqu'un qui me dit j'achète une Porsche, je lui donne un coup sur la tête. Si c'est un donateur, c'est un grand donateur. Enfin, tu donnes deux coups sur la tête. Grand donateur, tu dis quoi? Tu achètes une Porsche? Il aurait pu donner plus. Donne l'argent à Zahir. Il donne déjà. Mais pourquoi il a besoin d'une Porsche? Pourquoi? Putain, mais c'est son kiff. Alors, t'es un bébé. Pourquoi? Tu l'aimes ce donateur ou tu l'aimes pas? Si tu l'aimes pas, tu lui dis c'est bien la Porsche. Du moment que tu donnes ta cotisation, c'est très bien. Si tu l'aimes, tu lui dis monsieur, vous donnez, vous achetez 1 million d'euros une Porsche. Vous n'êtes pas débile? Non, pourquoi? Mais non, ça va pas. Je suis pas d'accord avec vous. Non, pourquoi si j'ai les moyens? Mais non, mais si. Ah oui, 30 000, ça va. Non, mais si j'ai les moyens. Je te parle de la Rolls alors. La Ferrari, hein, je te parle. Ça porte sûrement, ça devient une Porsche mieux. Alors, je t'explique. Tu dis, tu kiffes. Mais ça veut dire quoi, tu kiffes? Pourquoi tu kiffes? Est-ce que tu kiffes? Parce que si quelqu'un vraiment il a la passion. Pas pour le matériel. Alors, j'explique. C'est pas pour la. Écoute-moi. Si un gars, il voit là-dedans Chochmat Hashem. Il voit là-dedans de la Chochmat de Dieu, la Chochmat de l'homme. Il voit, il a besoin d'aller vite pour penser. Pas de problème. Si ça s'inscrit dans un développement spirituel, pas de problème. Si c'est juste pour montrer, frimer, et pour s'auto-satisfaire qu'il a les moyens d'acheter ça, le gars, il perd, il se rend pas compte, il s'enterre vivant. Et c'est une mise à lui dire qu'il s'enterre vivant. Il faut lui dire que le gars, il est en train de se définir à partir d'acquisitions d'avoir extérieur qui sont complètement en train de fausser ce qu'il est vraiment. Et le pauvre gars, il va arriver au Lamaba, tout le monde va se moquer de lui. Et là-bas, le Lamaba, c'est pas 70 ans, c'est 10 milliards d'années. Tout le monde va rire de lui. T'as passé ta vie comme un idiot à faire l'argent pour acheter des joujoux pour montrer que t'es beau. Tu es un pauvre type. Et tu veux te laisser ce pauvre gars que tout le monde va se moquer avec parce qu'il a 100 millions d'euros, tu crois qu'il vaut quelque chose. Tu vas lui laisser ce pauvre gars s'enterrer vivant et qu'au Lamaba pendant 100 ans, on va dire mais tes 100 millions d'euros, ils sont nuls, ils veulent rien ici, rien, zéro. Donc si tu l'aimes vraiment, tu dis monsieur, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Étudiez, donnez l'argent pour les SDK, faites des choses intéressantes. Devenez vous-même. Arrêtez de vous définir par rapport à des gris-gris qui sont comme les bébés de 3 ans, ils ont besoin d'une poupée pour se sentir bien, etc. etc. Il fait une mitzvah de dire à ces gens-là qu'ils perdent leur vie. J'ai entendu Rabbi écrit que celui qui a de beaux kélis a réjoui le cœur. Oui, mais ça c'est bon, t'as raison. Encore une fois, si tu intègres les kélim pour que ta maison soit belle pour Shabbat, pour ta femme, pour que tu sois heureux, t'as besoin d'un grand appartement par exemple, parce que t'as besoin d'espace pour réfléchir. Très bien, dépense ce que tu veux, 10 millions d'euros pour acheter un super appartement, pas de problème. Mais il faut que ça ait un sens. Et surtout que c'est un sens qu'elle a pour développer. Ça s'éteint. C'est pas moi. Il faut lui dire.
Rahamim, ça s'est éteint votre truc là. Il faut que ça ait un sens. Mais si le sens c'est juste de me faire plaisir, de répondre à une injonction sociale, de montrer comme une exhibition de réussite sociale, on tombe dans le pire des pièges sataniques de l'aliénation humaine. Bien, continuons. Donc il te dit. Donc c'est ça la notion qu'à Kol Shavé. La Hanava fait que tout ça n'a plus aucune importance. À Kol Shavé, Tzlo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence pour lui, la Rolls, la deux chevaux. C'est pas ça qui l'intéresse. Il est sorti de la hiérarchie mensongère que la société a installée. Il est dans la hiérarchie spirituelle. Et ça, c'est le Aleph Bet de la spiritualité, de modifier ses références. Aleph Bet. Très important, il y a des gens qui peuvent étudier et ne pas le modifier. Une fois, j'étais à Mir. Quelqu'un, il disait, il voit un docteur Bloch à la machin qui était un tzadik rentré. Ils étudient la Torah depuis 20 ans. Et il voit docteur Bloch rentré. Il y avait un autre qui était Rav Schwab, qui était un physicien. Il a refusé le prix Nobel de physique. Voir quelqu'un des deux. Et les deux, je les entends parler, ça m'a atterré. Il dit, ah lui, il est docteur, et lui, il est physicien. Waouh. Et l'autre, il dit, toi, t'es quoi, toi? T'es rien, toi? J'ai failli me retourner. Mais vous avez 20 ans que vous étudiez la Torah et vous admirez des gens qui sont docteurs. Vous n'avez aucun camarade à toi? Parce que lui, qui est un abrère, il croit qu'il est un nul. Pourquoi? Parce que le pauvre gars, alors qu'il est avraire, 20 ans qu'il étudie, il va donner du cabane au docteur, au physicien, parce que la représentation sociale, la hiérarchie sociale, elle dit qu'un docteur, un physicien, c'est mieux. Ouais, un vrai cafetrou, très bien, mais c'était pas la tonalité. Là, il se fichait, il dit, toi, t'es quoi d'abord? C'est très dur de combattre le social, c'est très très dur. Très très dur. Parce que vos parents aussi vous disent, qu'est-ce que tu vas faire? Torah? Tu mets-tu la Torah? Ils vont te dire à vos parents, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Comment tu vas vivre? Alors ça, c'est une vraie tana, comment tu vas vivre. D'accord. Mais d'avoir le respect de soi-même d'un point de vue d'hierarchie spirituelle, et que par rapport à l'hierarchie sociale, tu n'es rien, c'est très très dur. Ça demande un vrai courage, un vrai courage. D'accord. Donc on continue. Qui est la Torah Jairedrak à lui, chez Enlo Gava, à Kochave, Slo, et les erreurs, Véod, qui a Torah Gamken ou Efker Olam, et qui est la Torah qui im Michou, Efker Gamken, Kmo, chez Yat. Alors il dit une phrase incroyable. Il dit, d'abord, il faut comprendre que la Torah ne peut être donnée qu'à celui qui est humble, parce que cette humilité, elle te permet de t'arracher du monde et de rentrer dans la vérité pure. Et on sait très bien que l'orgueil est une façon de vivre, d'exister autour des références sociales, etc., etc. Mais il te dit que la Torah elle-même, elle est Efker Olam. De la même façon que la Torah elle-même est Efker Olam. Ça veut dire quoi? Efker Olam, comment tu traduirais Efker, Raphaël? Abandonné. Abandonné, comment? Pas de propriétaire. Donc il te dit la Torah en essence, elle est Efker. Ça veut dire quoi? Tout le monde peut. C'est que le juif qui peut. C'est accusé. Alors lui il te dit non, on a expliqué ce qu'il a dit en vérité avant. Macha Torah Yef, quelle est fichée à Torah et Namé Olamazé? La Torah n'est pas de ce monde. Donc elle ne rentre pas dans le système des valeurs. C'est pour ça que dès que vous rentrez à Torah un système de valeurs, Il faut combattre cette chose-là. Il y a des gens qui utilisent ça en disant, voilà, la Torah, c'est merveilleux pour vous épanouir. Bon. Vous voulez réussir l'éducation de vos enfants? La Torah. Vous voulez trouver le bonheur? La Torah. Vous voulez... tout ça, c'est mauvais. C'est vrai, mais si tu commences à définir l'utilité de la Torah par rapport au bonheur, à l'équilibre, à la belle fille familiale, aux enfants. Il y en a qui ont fait plein de gens, on fait tchouba comme ça. Ils ont dit, c'est génial, Shabbat, on n'aime pas la télé, on peut enfin parler à nos enfants. Faisons tchouba. Pour l'éducation des enfants, c'est mieux. Il y en a plein, ils disent, c'est bien, l'olishma, l'olishma. Mais ce n'est pas la vraie façon de faire tchouba. La Torah, elle n'est d'aucune utilité. Voilà. La Torah ne sert à rien. Et la Torah ne doit pas servir à quelque chose. Là, au moins c'est clair. On n'a rien à vous vendre, monsieur. On n'a rien à vous vendre. La Torah ne sert à rien. La Torah n'est d'aucune utilité. Aucune. La Torah est là justement pour montrer à l'homme. Elle n'est même pas là pour ça. La Torah, c'est la vérité. C'est tout. C'est la vérité.
C'est pas serre. C'est la vérité. Encore une fois, tu dis ça sert à accéder à la vérité. Donc tu prends la Torah comme un Kelly. La Torah, c'est la vérité en soi. Et si tu la réduis à une utilité sociale, c'est là pour faire qu'on se sente mieux. C'est là pour faire que les gens ils soient plus gentils. Ça fait moins de voleurs. Ça fait moins. Ça sert à servir Hachem. C'est le moyen qui va me permettre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas. C'est pas une utilité. C'est pas utile. Ça servir Hachem, ça sert à quoi? Ça parle d'utile, moi. D'utilité. Ça sert à quoi de servir Hachem? Ça sert à rien, à pas servir à Hachem. Donc on te dit, c'est ça l'idée. Bien sûr que ça, quand je te dis ça sert à rien, ça veut pas dire que la Torah n'amène pas des choses. La Torah va faire de toi un tzaddik. La Torah, si tu utilises vraiment, tu vas faire des miracles. La Torah, si tu utilises vraiment, tu vas devenir un saint. La Torah te donne l'éternité. La Torah te donne le bonheur. La Torah te donne tout. Te donne tout. Mais c'est pas le propos. Le propos, c'est que c'est la vérité, c'est tout. Elle est efkemina olam. La Torah n'épouse pas. Elle n'est pas là pour servir le monde, c'est le monde qui est là pour servir la Torah. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête, qu'on a beaucoup de mal à se mettre dans la tête. Nous, on voit la Torah comme un des éléments, si ce n'est peut-être l'élément sud dans la pyramide le plus haut, dans l'économie générale de la création. Mais il y a d'abord le monde, avec ses règles irréfutables, la loi de la pesanteur, la loi économique, la loi psychologique, la loi sociale, tout ce que tu veux. Et là-dessus, c'est rajouter une jolie Torah, pourquoi pas on la prend, c'est la meilleure façon. Quand on voit comme ça, c'est pas grave, on n'a rien compris. La Torah, elle est plus ancienne que le monde. Le monde est éphémère. Ce qui nous paraît ici, incroyablement, tout ça ne va pas durer très longtemps. C'est éphémère. Le monde est éphémère. C'est la Torah qui est éternelle. Et donc, c'est le contraire. Le monde a été créé pour la Torah et pas la Torah pour le monde. Je voulais redire sur la Porsche. Non, frère. Il a mal. Quoi, tu vas avoir une Porsche, là, c'est ça? Si je pense que c'est par le matériel que je vais accéder à la Torah, donc si je pense que c'est par cette Porsche que je vais aller étudier, je me trompe. Ouais, mais j'y crois pas une seconde. Je vois pas pourquoi t'as besoin d'une torche pour une Porsche pour aller étudier à Torah. Ah, ça, je rigole. Non, c'est du baratin. Hein. C'est une façon de rationaliser. Ouais, j'ai besoin d'aller. T'as pas besoin de Porsche pour aller étudier à Torah. Qu'est-ce que t'as besoin d'une Porsche pour aller étudier à Torah? Perds de temps. D'accord? Non, je te dis pas. Parce qu'il y a des choses, par exemple, que tu peux. La musique, par exemple. La musique, c'est très bien. La musique classique, certaines musiques. Parce que ça va t'ouvrir l'esprit, ça va te donner. Je te dis pas de dire tout ce qui n'est pas Torah, zéro, nul, on va brûler. C'est pas ça. C'est pas ça l'idée. Il y a énormément de choses qui ne sont pas Torah. Qui peuvent être intégrées dans une vie qui va de Torah. Ça va. Mais il y a des choses que je ne vois pas comment tu les intègres. Une Porsche, je ne vois pas. Quand je dis Porsche, non, mais quand je dis ça, non. Il y a des choses que tu ne peux pas intégrer. Elles sont trop fortement liées à une référence sociale qui est nulle. Donc, c'est pas, je vois pas comment tu peux élever ça à toi. À moins que tu trouves une façon, peut-être, mais c'est exceptionnel. Il y a des choses, non seulement tu peux, mais tu dois. Bon, la nature, la beauté de la nature, quelqu'un, le Rambam, il dit, c'est très important d'aller voir la création de Dieu, d'aller voir les montagnes, la mer, c'est très important. Parce que ça va te donner, ça va ouvrir en toi des perspectives de grandeur qui vont te permettre de mieux étudier la Torah. La musique. À la limite, même une certaine forme de culture, de la poésie et tout, très bien. Si ça te permet d'être. Ça a un sens. Mais il y a des choses, elles sont purement superficielles, purement artificielles, qu'elles ne t'apportent absolument rien dans la base de ta chaîne. Il faut tout, toi. C'est la théorie des cercles. Vous savez, le Maharal, il a cette théorie des cercles. Le centre doit être la Torah et autour, tout peut être intégré. Mais il faut que cette chose puisse s'intégrer à la Torah. D'accord? Donc il dit la Torah, elle est FKR. La Torah n'est pas de ce monde. Elle est que des mondes supérieurs. Et c'est pour ça que dans la Torah, tout est égal. Il n'y a pas une partie de la Torah qui est supérieure à une autre partie de la Torah. Tout à fait. Il revient à cette idée de la simplicité, du non-composite. On a vu que tout ce chapitre parlait du problème du composite et de l'unité. Tout ce qui est composé, ça veut dire qu'il a besoin d'autres choses pour se définir. Il n'est pas en soi. La Torah va te faire accéder à un rapport au monde et un rapport à la vérité qui est en soi, qui n'a pas besoin d'un allié pour être. D'un autre. Si je te dis, c'est quoi
Chaque chose dans le monde, elle a besoin d'autre chose pour se définir. Elle n'existe pas par elle-même. D'accord ? Tu prends une voiture, ce n'est que par rapport au déplacement, que par rapport à la route, que par rapport à... Chaque chose a une fonction, et sa fonction fait qu'elle est liée à d'autres choses qui n'est pas elle. Par définition. Chaque chose est liée à d'autres choses. Ce qui n'est pas le lien de la Torah. La Torah, elle est en soi. Elle a besoin de rien. Elle a besoin de rien. Elle n'est pas choute. Elle n'est pas un dérouage de autre chose. Elle est en soi. Et tout le monde comprend qu'il y a dans l'homme cette dimension-là, que là, pratiquement aucun homme ne touche d'ailleurs. Quelle est la chose en toi qui n'est pas là pour tes parents, pour tes enfants, pour ta femme, pour le travail, pour le chapeau, qu'est-ce qu'il y a en toi qui est absolument singulier, qui est en soi, qui n'est pas là comme fonction, justement. C'est pour ça que la Torah est comparée à l'eau et au feu, parce que de la même façon que l'eau et le feu et FK, tout le monde l'eau et le feu est FK. De la même façon, à 3 FK. Alors là, on va très loin après. On va juste commencer, on a épuisé le temps, mais juste cette. Amar ka Hashem et Kabel à Torah ou Chelek Hashem Idvara. Les filles, je suis Semina Gashmi, diot lo, madrega, sechlit, ve az, nachala, kel. Ve adam, ita, le, le, malak, Hashem ou Chelek Hashem Idvara. Incroyable ce qu'il dit là. Il dit, quand l'homme reçoit la Torah, il devient une partie du nom de Dieu. On va dire Khadeshah une partie de Dieu, mais il devient Chelek Hashem Idbarach. Il fait partie lui-même en tant qu'homme de l'expression de la parole de Dieu. Il est lui-même une partie de la lumière divine. Il devient lui-même. C'est que la Torah, comme elle n'est pas justement du monde, donc elle n'est pas un objet qu'on acquit. C'est pas quand quelqu'un acquiert une Porsche, un appartement, un verre, ce verre ne devient pas une partie de lui-même. Ça devient sa possession, mais ça ne devient pas une partie de lui-même. Et lui ne devient pas cet objet. Une femme, oui, parce qu'une femme, souvent, c'est Torah. Mais quand quelqu'un étudie la Torah, lui-même devient Torah, ça qui est très important. Il devient une partie de la Torah, et la Torah devient une partie de lui-même. C'est pour ça qu'il devient éternel. Et c'est pour ça qu'il peut faire des miracles. Un grand tzaddik peut faire des miracles, sans problème. Parce qu'il est Torah. C'est-à-dire c'est ça aussi, il faut bien notre rapport à nous. Chaque fois, il faut remettre ça à notre niveau. Notre rapport à nous, à la Torah, c'est pas qu'on a compris quelque chose de la Torah. C'était intéressant, tiens, ce qu'on a appris. Ça suffit pas, ça. Il faut comment cette chose que j'ai compris, elle devient si essentielle à moi, que je peux plus vivre sans ça. C'est une partie de mon être. Si c'est une partie de mon être, je deviens une Torah et la Torah devient moi. Et c'est comme ça que, pour ça qu'Agma elle dit que combien sont idiots ceux qui se lèvent devant un Sefer Torah qui ne se lèvent pas devant des Talmidei Chachamim. Kama Tipshe Bavle, les Babyloniens, ils se levaient devant un Sefer Torah, ils ne se levaient pas devant. Et le Maharal, les films sont extraordinaires. Il dit parce que la Torah elle est composée de l'écoute. Shomea et le regard. Le regard, c'est les lettres de la Torah. L'écoute, c'est comment chacun a compris la Torah. Donc, comment toi, tu as compris la Torah? C'est une partie indissociable de la Torah qui est essentielle à moi pour que je comprenne la Torah. Je veux comprendre comment toi, tu comprends. Comment toi, tu comprends, c'est le schéma Israël. C'est la partie de la Torah. Oui, ça, c'est la partie que la façon dont toi, tu vas comprendre la Torah est une Torah elle-même qui n'est pas encore révélée tant que tu ne l'as pas comprise. Chacun de nous porte le secret d'une écoute de la Torah qui est amenée par celle de la Torah. Donc c'est facile de respecter des idées, mais de respecter, de croire qu'un homme a réussi à incarner l'écoute de la Torah et qu'il est lui-même Torah, pourquoi vous dites ça? C'est un des plein d'un pour qu'un instrument, les Talmidim de Rabbi Akiva, c'est aussi à cause de ça. On dit parce qu'ils ne se donnaient pas du kavod l'un à l'autre. C'est parce qu'on lui dit, ils donnaient du kavod à la Torah, mais d'avoir la conscience que mon chavruta, mon chaver, la façon dont il comprend la Torah, c'est une révélation cynique. C'est une valeur de Torah incroyable. C'est un autre niveau.
Alors, le problème qu'on a, nous, c'est que, comme on n'est pas tzadikim, donc on dit, ouais, mais l'autre, il comprend pas vraiment, parce que si c'était, il comprend à moitié tordu, il comprend aussi avec, avec les journaux qu'il a lu la veille, donc ça fait que c'est pas la vraie Torah qu'il dit, donc je le respecte pas. Bon, c'est ça le problème. C'est vrai aussi. C'est ça le problème. Bon, demain, on verra ça. C'est une notion très importante, cette notion de chélek de Torah. Demain, on finira le chapitre. Dans 5 minutes, on va la gomme. Tu restes pour la gomme? 5 minutes, on commence.